Bonjour à tous, donc je suis Nico Davido, chirurgien oral à Paris, et donc je vais vous parler de stabilité primaire dans les mises en charge complètes. Alors stabilité primaire, c'est un sujet qui est quand même très large et qui est en fait extrêmement important, puisque dans notre pratique quotidienne, c'est ce qu'on recherche, même lorsque l'on pose des implants en deux temps, c'est d'avoir une stabilité primaire. Et j'ai parfois des confrères ou des consoeurs qui me contactent en disant « Voilà, mon implant, il n'est pas très stable, est-ce que c'est grave pour son osteointégration ?» Ou « Quel est le couple qu'il faut obtenir pour faire une mise en charge ?» Donc tout ça, ce sont des questions très importantes. Et justement pour... Attendez, ça ne marche pas. Voilà. Donc pour obtenir justement ce saint graal de cette stabilité primaire, eh bien, plusieurs facteurs vont intervenir. Premier facteur, eh bien, un des facteurs, c'est l'implant. Quel implant faut utiliser? Quel design implantaire? Quelle morphologie d'implant, quelle longueur de l'implant, le nombre d'implants à utiliser. Donc tout ça sont des facteurs extrêmement importants qu'on va voir aujourd'hui. Relié avec ce facteur de l'implant, évidemment l'os, puisque en fonction de la quantité osseuse et de la qualité osseuse, est-ce qu'on a un os qui va être moins dense, plus ou moins dense ou peu dense, par exemple de type 1 ou de type 4, eh bien en fonction de cette densité, il va falloir adapter notre protocole de forage. Et justement, c'est cette troisième élément qui est interrelié pour permettre cette stabilité primaire, qui va nous permettre justement d'avoir une stabilité suffisante pour faire cette mise en charge, qu'elle soit unitaire, plurale ou complète. Et donc, je remercie donc le docteur Moura qui m'a fourni cette photo. Et donc, vous voyez que sur cette coupe au niveau du maxillaire, eh bien, on voit que dans les zones du prémaxillaire, on va avoir un os qui présente un os trabéculaire qui est relativement dense. Et lorsqu'on va aller vers une région plus postérieure, eh bien, plus on va aller en postérieur, plus on va avoir une densité osseuse qui va diminuer. Et donc, si la densité osseuse diminue, eh bien, on risque de perdre cet ancrage, on risque de perdre cette stabilité primaire dont on a tant besoin pour ces mises en charge. Bedrosian a défini une classification qui nous permet de connaître la position des implants, la position de nos implants dans ces mises en charge. Est-ce qu'on va avoir justement de l'os dans les régions 1, 2 et 3? Et donc, si c'est le cas, à ce moment-là, on va pouvoir envisager au maxillaire un protocole avec une position de 4, 6 ou 8 implants, avec des implants qui sont droits. En revanche, si on a de l'os dans la région 1, avec, je dirais, une largeur au niveau du prémaxillaire qui est suffisante pour avoir, je dirais, une arcade qui va de prémolaire à prémolaire, eh bien, on peut envisager un protocole de mise en charge complète sur 4 implants, avec 2 implants antérieurs droits et 2 implants postérieurs qui sont angulés. En revanche, si on a de l'os ni dans ces régions 1, enfin en tout cas pas suffisamment, ni 2 et assez peu en 3, eh bien on va aller récupérer de l'os dans encore d'autres régions, donc ça peut être un ancrage au niveau nasal ou un ancrage au niveau ptérygoïdien, voire un ancrage au niveau zygomatique. Et donc vous voyez que cette stabilité primaire donc, qui a été étudiée, donc là il y a une étude qui a été menée par Olmedo Gaya en 2023, qui montre que à partir du moment où on va avoir un protocole de forage classique avec une densité osseuse importante, on va avoir un ISQ et donc, qui traduit la stabilité primaire de l'implant dans l'os, qui est relativement élevé. Et plus on va aller vers une densité osseuse faible, eh bien, on va avoir, y compris et surtout pardon, dans un os de type 4, une perte complète de cette stabilité puisque l'ISQ s'effondre littéralement. Idem lorsqu'on va parler de la technique chirurgicale, dès lors que l'on va sous-préparer un site ou qu'on va le condenser avec des ostéocondenseurs, on va donc condenser l'os, et donc en faisant cette condensation osseuse, on va augmenter cette stabilité primaire, donc on va avoir un ISQ qui est relativement élevé, et ce, quelle que soit la qualité osseuse. En revanche, dès lors que l'on va préparer normalement un os avec un forage dans un os peu dense, de type 4, eh bien, on va perdre cette stabilité de façon drastique, et donc on peut mettre en péril cette mise en charge. Et donc, de façon à toujours avoir dans ces mises en charge complètes une stabilité osseuse importante, on va chercher un ancrage dans des zones bicorticales, donc notamment, par exemple, pour faire un ancrage transsinusien, on va avoir un ancrage à la fois cortical au niveau de la corticale crestale de l'implant, on va avoir un ancrage qui va se faire au niveau de la paroi antérieure du sinus maxillaire où on a un os qui est relativement dense, et donc ça permettra justement d'avoir un torque d'insertion suffisant qui permettra d'envisager cette mise en charge complète. Idem au niveau antérieur, on peut, donc ça c'était un cas de O et des collaborateurs en 2023 qui montrent le positionnement d'implant au niveau du méa moyen avec un ancrage au niveau du méa moyen pour la région apicale de l'implant et un ancrage crestal qui peut se faire au niveau légèrement palatin puisqu'en fait ces implants sont utilisés essentiellement dans des cas de résorption extrême
Et avec cet ancrage bicortical, là encore, on arrive à avoir une stabilité qui est suffisante pour stabiliser nos implants. Et ici, vous voyez qu'encore un autre type d'ancrage, donc ça c'était une patiente qui m'était initialement adressée pour faire une régénération osseuse au niveau secteur 2, et en fait elle avait, donc les dents résiduelles étaient en relativement mauvais état, et elle avait donc un prémaxillaire, un maxillaire postérieur secteur 2 qui était relativement concave, et avec un maxillaire qui était extrêmement pneumatisé au niveau du sinus. Et donc, afin de répondre à la patiente dans un délai relativement court et d'éviter des thérapeutiques de régénération qui auraient pu prendre parfois jusqu'à 6-9 mois de traitement, eh bien, on va aller positionner un implant au niveau d'ancrage plus important, notamment au niveau de l'ancrage zygomatique, où on a un os qui est relativement dense. Alors, combien d'implants il faut poser? C'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce qu'il faut en poser 4? Est-ce qu'il faut en poser 6? Est-ce qu'il faut en poser 8? En fait, cette réponse, elle va dépendre, elle est pas, il n'y a pas une réponse, en fait. Elle va dépendre du patient, elle va dépendre de l'âge du patient, elle va dépendre de la force de masticatrice du patient, elle va dépendre éventuellement de parafonctions éventuelles. Et donc, tous ces facteurs vont nous permettre de savoir si, oui, on va aller vers un nombre d'implants plus important, en sachant qu'en général, au-delà de 6 implants au maxillaire ou à la mandibule, il y a quand même relativement peu d'intérêt. Et lorsqu'on a des patients qui sont plus âgés, eh bien, on peut aller plutôt vers des mises en charge sur 4 implants, type All-on-4 avec 2 implants angulés en postérieur et 2 implants droits en antérieur. Et à la mandibule, eh bien, on a 2 solutions, soit on part vers 6 implants qui sont droits, et si on a des crêtes résorbées de façon importante en postérieur à la mandibule, eh bien, on va partir vers un protocole classique All-on-4. Et vous voyez qu'on va, dans différentes situations, aller de cas qui vont aller finalement d'un plan droit, dans le cas qui est en haut à gauche pour un patient qui est déjà plus jeune, et donc avec forcément un os qui est beaucoup moins résorbé, et donc on va utiliser des implants qui sont relativement longs, avec un nombre d'implants répartis sur l'arcade, avec des implants droits répartis, et puis bah, plus on va aller vers des résorptions qui vont se retrouver au niveau du secteur postérieur à la mandibule ou au niveau sous-sinusien au maxillaire, et bien plus on va aller vers la recherche d'un ancrage qui va se situer dans des zones de résistance, des zones où justement on va avoir cet ancrage plus important, notamment à l'interface entre les fosses nasales et la paroi antérieure du sinus maxillaire où justement on a cette densité osseuse importante. Et si on n'arrive pas à l'obtenir, eh bien on va aller vers un ancrage zygomatique, voire dans certains cas, eh bien on a l'ancrage nulle part et donc le seul ancrage qu'on peut obtenir, sous réserve que cet os zygomatique soit suffisamment épais, on peut avoir justement cet ancrage qui nous permet de positionner 4 implants zygomatiques comme dans le cas présenté en bas. Évidemment, ce n'est pas la seule chose. Je vous disais tout à l'heure, il y a aussi quelque chose de très important. Le design implantaire joue un rôle majeur, puisque il y a des implants qui sont plus ou moins adaptés à la mise en charge immédiate. Donc à gauche, on a 3 implants de la marque Nobel Biocare, et à droite, on a 2 implants de la marque Straumann. Vous voyez que le design de ces implants, ils sont globalement semblables, sauf l'implant Standard Plus, qui est un excellent implant au demeurant, mais qui, justement, a un dôme apical qui est complètement lisse, complètement arrondi, qui est un implant qui est très peu spiralé, qui a très peu de spire. Donc, finalement, on aura un contact os-implant relativement faible, avec un ancrage apical inexistant. Et lorsqu'on va aller vers des implants qui ont, justement, une anatomie cylindroconique, qui vont pouvoir densifier l'os dans ces régions apicales, ou encore, justement, comme le Nobel Active ou le Straumann BLX, avoir des spires qui sont extrêmement agressives, vont pouvoir permettre d'augmenter le contact surface de contact os-implant et d'augmenter forcément la stabilité primaire pour faire cette mise en charge. Donc il y a des implants, il faut le choisir pour justement choisir l'implant qui est adapté au traitement qu'on veut mettre en place. Alors, il y a une méta-analyse qui a été faite par Soto en 2017 sur 24 études. Cette méta-analyse, en fait, elle est là pour montrer quels sont finalement les torques d'insertion, notamment, qu'il faut utiliser. En général, pour être serein, lorsqu'on fait une mise en charge complète, il faut un torque d'au moins allez, 30, 40, 45 newtons. On peut aller parfois jusqu'à 70. Je ne considère pas d'aller au-delà de 70 newtons parce que, un, on risque une sidération tissulaire, et deuxièmement, on risque aussi d'entraîner parfois une fracture du col de l'implant, et donc c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Les implants distaux, ils sont donc soit droits, soit angulés. L'angulation, elle peut aller parfois au-delà de 45 degrés. Après, ça dépend là encore de la position de la paroi antérieure du sinus maxillaire. Hein. Si le sinus maxillaire est plus ou moins angulé, eh bien, on va anguler notre implant distal en suivant justement cette paroi antérieure du sinus maxillaire. Le diamètre des implants dans cette méta-analyse allait de 3,3 à 4,3. Alors là encore, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas deux référentiels particuliers, mais
Les recommandations actuelles, c'est d'utiliser des implants de diamètre, je dirais, au moins 4, 4.1, voire 4.3 dans les secteurs postérieurs, et pas trop d'utiliser des implants de diamètre 3.3, 3.5 dans les secteurs postérieurs, surtout lorsqu'on utilise des piliers multi-unites angulés, parce que justement, on va avoir des forces de flexion sur le col de l'implant qui peuvent entraîner des fractures de l'implant, donc c'est moins recommandé. La longueur des implants dans ces méta-analyses se retrouvait entre 7 et 18 mm. Alors j'étais assez surpris de retrouver justement des implants de 7 mm dans la mise en charge immédiate complète. Néanmoins, donc, ça a été retrouvé dans une étude. Mais la plupart des auteurs en fait mettent des implants qui sont de 13, 15, 18 mm. Et en moyenne, c'est des implants de 13, 15 suffisent très très largement. Mettre des implants de 18, ça reste quand même relativement assez exceptionnel. Concernant le protocole de forage, eh bien, c'est tout simplement, en fait, on va faire comme en endo. En endo, on va faire un step back. Eh bien, là, c'est pareil, en fait. En fonction de la densité osseuse, alors cette densité osseuse, nous, on va pouvoir l'évaluer d'emblée en préopératoire, puisqu'on va réaliser une planification, faire un cone beam, et donc grâce à cette imagerie, on va être capable d'évaluer cette densité osseuse, l'importance de cette corticale, éventuellement la trabéculation de l'os, et donc on pourra évaluer si on est dans un os qui est plus ou moins dense. Et donc, dans un cas d'os moins dense, eh bien, on va avoir tendance à faire un step back où on va de forêt en forêt aller la longueur de l'implant pour le forêt pilote et en faisant une longueur de N-1 à chaque fois jusqu'à permettre l'ancrage vraiment de l'apex de l'implant pour que l'apex de l'implant fasse une ostéodensification et justement cette condensation osseuse autour de cet apex va augmenter encore la surface de contact et on va augmenter encore la stabilité primaire. Alors, quelques cas cliniques pour illustrer mes propos. À la base, donc, ça, c'était une patiente qui m'était adressée pour faire une greffe osseuse antérieure. Alors, ce n'était pas tellement le plan de traitement qui devait être choisi, mais bon, c'est le plan de traitement du dentiste traitant. Finalement, donc, en accord avec le dentiste et la patiente, on a changé le plan de traitement. La patiente avait des sinus qui étaient relativement pneumatisés, vous voyez, très horizontaux. Et donc, même en angulant beaucoup les implants, on avait une angulation vraiment trop importante et on n'a pas pu rattraper suffisamment l'axe puisque le maximum des piliers de rattrapage de multi-unit sont à 30 degrés. Et donc, du coup, on a fait des sinus dans les secteurs postérieurs de façon à avoir aussi une arcade plus longue, parce que automatiquement, si on respecte la position des sinus, on va forcément réduire le périmètre de l'arcade. Et donc, si on réduit le périmètre de l'arcade, eh bien, on va avoir une arcade très courte. Et c'était une patiente qui était relativement jeune. Donc, on va plutôt partir vers une solution, vers une arcade un petit peu plus large. On a fait une planification. Et sur la planification, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a simulé à la fois des implants qui étaient agressifs, hein, puisque vous voyez ces implants qui sont, c'est des implants de Nobel actifs qui sont simulés ici et qui ont donc qui sont à la fois auto-tarodants mais aussi auto-forants. Et on a été chercher également, vous voyez sur le rond qui est ici en rouge, on a été chercher l'appui bicortical au niveau crestal et au niveau nasal, de façon à augmenter encore cette stabilité primaire au niveau des implants antérieurs. Idem de l'autre côté, hein, pareil, on cherche un appui bicortical de façon à augmenter cette stabilité. Et ça nous permet comme ça eh bien, d'avoir une stabilité primaire suffisante pour pouvoir faire une mise en charge des implants. Et là, j'ai revu la patiente il y a 2 ans, puisqu'en fait, elle est revenue, elle avait eu un décollement d'un tibase. Et on a une stabilité complète, alors que la patiente elle est toujours en provisoire, malheureusement. Voici la radio à 2 ans. Un autre cas, pareil, qui m'est adressé initialement pour faire des comblements sinusiens dans les secteurs postérieurs. Et vous voyez que sur cette coupe axiale du cone beam, on a des sinus qui sont à la fois extrêmement pneumatisés et à la fois extrêmement cloisonnés. À droite, on a un sinus qui va jusqu'à l'incisive latérale. À gauche, on a un sinus qui va jusqu'à l'incisive centrale. Donc, faire une mise en charge, complète, après avoir fait des comblements sinusiens, on ne sait pas ce que ça donne, je dirais, sur du moyen-long terme, surtout que le patient avait une petite cinquantaine d'années. Donc, dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux partir vers une solution alternative. Là, on a fait, donc, après, analyse esthétique, bilan photo, etc. Et en accord avec le patient, on a changé le plan de traitement, et évidemment aussi avec le dentiste traitant, et on est parti vers une solution complète. Et donc, pour cela, on a fait à nouveau une planification pour voir l'émergence des implants en fonction de l'os disponible. Et vous voyez que secteur 2, donc on n'avait absolument pas d'os du tout. La seule ancrage qu'on pouvait retrouver, c'était un ancrage au niveau zygomatique. Donc on a été chercher cet ancrage zygomatique et on avait une pneumatisation complète de notre sinus. L'autre difficulté qu'on avait, c'était au niveau de l'implant 22, puisque vous voyez que l'implant 22 ne pouvait pas être positionné droit, puisque le sinus allait jusqu'à l'incisif central. Donc on a dû, justement, grâce à la planification au niveau de cet implant 22, faire une angulation à 17 degrés de l'implant. Et justement, l'avantage, c'est d'utiliser un implant relativement long ici, cylindro-conique, donc c'est un implant de 15 mm, et on va utiliser donc un pilier multi-unit pour rattraper l'axe et se retrouver avec une émergence prothétique compatible sur l'incisive latérale.
Du côté droit, vous voyez que pour éviter le sinus, on va longer le sinus et on a un implant qui est très angulé. Là, on a 45 degrés d'angulation de l'implant. Et on rattrape l'axe avec 45 degrés et l'émergence prothétique, vous voyez, sort au niveau du deuxième prémolaire. Et donc, c'est tout à fait compatible avec une réhabilitation complète sur implant. Et pour pouvoir justement être reproductible, eh bien, on va faire une chirurgie qui va être guidée. Donc là, c'est un guide utilisé, guide SMOP. Et donc, cette chirurgie nous permet d'avoir un positionnement d'implant idéal. Et donc, vous voyez que la mise en place d'un implant zygomatique qui va venir s'insérer à la main, on l'insère à la main, parfois des mouvements d'aller-retour pour ne pas exercer trop de contraintes sur l'os, mais ce mouvement d'aller-retour permet aussi de tarauder le zygoma pour justement éviter des contraintes trop importantes sur cet implant, qui sont des implants relativement longs, hein, c'est des implants de 40-45 mm, et permettre justement d'avoir une stabilité suffisante de ces implants. Donc, ça, on est à la fin de la chirurgie, on a fait l'empreinte. Et vous voyez, donc, lorsqu'on regarde cette panoramique post-opératoire au niveau du maxillaire, on est exactement dans la position qu'on a définie au niveau de la planification, avec les implants qui, au niveau 22 et au niveau 15, longent parfaitement bien les sinus. Voici la pose le lendemain de la chirurgie. Et vous voyez, les tissus sont même plus du tout inflammatoires. C'est des chirurgies qui sont finalement peu traumatisantes pour les tissus. Donc ça, c'est... Sourire. Voilà un autre cas qui est un petit peu similaire, mais ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que cette patiente, elle m'était adressée initialement pour faire un quad zygoma. La patiente n'était pas si âgée que ça, et c'est vrai que des quad zygoma, moi je les réserve vraiment à des patients beaucoup plus âgés, parce qu'on ne connaît pas totalement le comportement de ces implants au-delà de 15 ans. Il y a peu d'études cliniques sur ces implants au-delà de 15 ans, et on essaie de réfléchir à d'autres alternatives. Et en plus, elle avait une caïne incluse au niveau du maxillaire. Donc, on fait un cone beam. Sur le cone beam, déjà, on fait une première étude avec la patiente, on lui explique un petit peu les difficultés qu'on rencontre par rapport justement à l'os disponible, puisque justement il n'y avait pas beaucoup d'os dans différentes régions. On fait une planification, donc elle a fait d'abord, on fait une prothèse qui est adaptée, duplicata de la prothèse, canne de la prothèse, etc., planification implantaire. Et on va aller faire une planification en cherchant toujours l'ancrage bicortical. Vous voyez, à droite, je n'ai pas mis d'implant zygomatique, on a un implant de 15 mm. Qui est cylindroconique, qui est vraiment très autotarodant, et on a un ancrage à la fois au niveau cortical, au niveau des fosses nasales, et un ancrage au niveau crestal de la corticale du maxillaire. Et au niveau antérieur, eh bien, on va être légèrement en avant de cette caïne incluse qui nous embête, et on va chercher, comme dans le cas de la jeune femme de tout à l'heure, chercher un ancrage bicortical au niveau crestal et au niveau du nez. Et enfin, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va aller chercher l'implant secteur 2 en retirant cette caïne incluse et en essayant d'avoir un ancrage au-delà de cette canine? Malheureusement, vous voyez qu'au-delà de cette canine, on tombe tout de suite dans le nez. Donc finalement, on aura finalement assez peu d'ancrage pour cet implant-là. Et donc il a été décidé, au lieu de poser un implant avec une stabilité qui aurait pu être compromise et qui aurait pu mettre tout le traitement, qui aurait pu compromettre tout le traitement parce qu'il y aurait pu y avoir une fracture de la prothèse, perte de l'implant, etc. Donc on aurait été embêté. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir ce qui se passe au niveau de l'os zygomatique et on va chercher cet ancrage ailleurs pour voir si on peut mettre un implant zygomatique et faire finalement un All-on-4 hybride, donc sur trois implants classiques et un implant zygomatique. Donc ça, c'est après la chirurgie, et ça, c'est après la pose de la prothèse. Donc, vous voyez donc l'importance de la fausse gencive, vu l'importance de la résorption. Là, on est dans un cas de FP3. Voilà. Pour terminer, un cas qui m'était initialement adressé pour déposer cet implant basal et faire une reconstruction osseuse du maxillaire complète. Lorsque j'ai vu la patiente en première consultation, cet implant zygomatique était complètement mobile, il y avait du pus qui coulait par la gencive, donc j'ai déposé cet implant. Et après réévaluation, voilà un petit peu le niveau de l'os. Donc au niveau antérieur, on est au niveau de l'épine nasale, au niveau postérieur, les maxillaires sont complètement concaves, on n'a aucune possibilité de reconstruction, on a vraiment la revascularisation qui est extrêmement faible à ce niveau-là, donc on sait qu'on va aller à l'échec. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va chercher d'autres ancrages. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été chercher l'ancrage au niveau zygomatique, et vous voyez que ici, dans une classification ZAGA 4, hein, c'est vraiment des résorptions extrêmes, on a un maxillaire qui est complètement concave, et donc on met 4 implants zygomatiques, et on fait une mise en charge. Donc il y avait un des implants qui n'avait pas une stabilité qui était suffisante, donc on a mis en charge sur 3 implants, et après, donc, la patiente, elle a été, lui a posé sa prothèse maxillaire, et là, actuellement, donc, elle est en réhabilitation. Vous voyez un petit peu au niveau en vue occlusale, hein, après la pose de la prothèse, vous voyez, les implants sont très palatins. Pourquoi ils sont très palatins? Parce que c'est un os qui est extrêmement résorbé. Voilà, donc là, elle est en cours de finition. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, il faut retenir à la fois
par rapport à l'ancrage, hein, justement, il faut rechercher cet ancrage. Pour le rechercher, bah, il faut, lors des planifications, rechercher l'ancrage dans des zones avec une résistance importante, dans des zones de densité osseuse plus élevée, donc type 1, type 2. Dès lors qu'on va diminuer le niveau de la qualité osseuse, on va plutôt avoir un protocole de sous-forage et d'avoir des implants qui vont être aussi plus longs pour pouvoir augmenter la surface de contact avec l'os. Et il faut toujours avoir à l'esprit justement ce torque d'insertion qui doit être supérieur à 40-45 newtons de façon à permettre une stabilité suffisante pour faire une mise en charge complète. Et pour terminer, eh bien, le design pour justement choisir dans quel type on va se trouver, est-ce qu'il faut, combien d'implants il faut, quelle longueur des implants, quel nombre d'implants il faut, quel diamètre d'implant il faut, quel design implantaire il faut choisir, et bien ça va dépendre de différents facteurs qu'on va étudier à la fois au niveau radiographique et à la fois par rapport au patient. Est-ce qu'il présente ou non des parafonctions? Est-ce qu'il est plus jeune? Est-ce qu'il est plus âgé? Est-ce qu'il est plutôt carbocalcique, etc. Donc tous ces facteurs, on les évalue et ça va nous permettre, tous ces facteurs-là, combinés vont nous permettre justement d'avoir un succès de façon à avoir une stabilité suffisante pour pouvoir faire ces mises en charge complètes. Voilà, je vous remercie de votre attention.